flamme rouge? Par mes oreilles de chat! Si c'est elle la vraie flamme rouge, qui es-tu? Ne me regardez pas comme ça! Je ne fais que suivre les instructions de Choumacac. Ouais! Tu n'es pas assez malin pour utiliser cette statuette, Ninjaka. Oh, quel rabat-joie! Choumacac, Choumacac, joue un petit tour à flamme rouge! Par mes écailles, il y a des flammes rouges partout! Ninja Zouave, suivez-moi! Ninjaka, les règles sont faites pour protéger la montagne mystérieuse. Eh bien, c'est ma montagne maintenant. Et sur ma montagne, c'est moi qui commande. Choumacac, Choumacac, débarrasse-nous de pour toujours. Oh, oh, des langues de dragon collantes. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Ninjaka. Moi, j'ai l'impression que si... Moi. Les pyjaminus, tout ce que vous vouliez, c'est vous amuser. Dommage que Flamme Rouge soit toujours si sérieuse. C'est comme ça que vous me voyez? Oui, tout le temps. On vous laisse ici, on a une victoire à célébrer. C'est à toi de jouer, Choumacac. On est désolé, on aurait dû réfléchir avant d'enfreindre toutes ces règles. Excuse-nous. Moi aussi, je suis désolée. Je n'aurais pas dû être aussi sévère avec vous. Mais c'était pour nous protéger. Sarceline! Je ne vais pas pouvoir tenir! J'arrive, Sarceline! Ton pyjama s'allume! Le cristal, il fonctionne à nouveau! Et mes pouvoirs, ils sont revenus! Tu m'as sauvée? Bien sûr, c'est ce que font les pyjamas. Tu en as mis du temps. Hein? On est presque dans l'espace! Dépêchons-nous! Il vaut sûrement mieux que je conduise! Mais... Oh. Il se passe quelque chose! C'est le pyja cristal! Il fonctionne à nouveau! Hein? Oh? Oh? Recharger. Je fais quoi, moi? Youhou, les copains! Stop! Le maître a dit que Robo devait vous occuper. Oh! Alors voyons si tu sais faire ça.
Bien sûr. Ouais, pas mal. Et ça, tu y arrives? Yo-yo, rapido. Mais, j'arrive aussi à faire ça. Hein? Hey! Oh? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Les copains! Robot! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu es là pour les surveiller, pas pour t'amuser! Oui, maître. Excusez-moi, maître. Allons-y. Oh! Je vous tiens. Oh, mince. Ouais! Eh bien, ça secoue. Je vais essayer avec mes glu-glu mains collantes. Fais-nous descendre. Ça m'étonnerait qu'il t'écoute. J'ai rien dit. Robot a le pouvoir. Mais qu'est-ce qui te prend? Je suis ton maître et je t'ordonne de me faire redescendre. C'est Robot le maître maintenant. Mais pourquoi pas, je veux bien vous faire redescendre. Grâce au cristal, Robot peut contrôler qui il veut. Il ne contrôle plus rien. Robot vous tient maintenant. En fait, j'aurais dû dire presque plus rien. Relâche-moi tout de suite, vieille boîte de conserve. Hé, les papilles, venez m'aider. Boost, vilaine bestiole. Vous avez entendu? Robot a dit boost. Oh non. Robot, je te l'ai dit 100 fois. Je suis ton maître. Tu as oublié? C'est faux. C'est Robot qui est le maître de tout le monde. Robot a perdu l'équilibre. À nous d'entrer en action. Bibou, tornado! Le cristal! Que s'est-il passé? Tu as laissé le pouvoir te monter à la tête! Il n'y a qu'un seul super méchant dans cette ville et c'est moi! Plus maintenant, Roméo! Ce cristal m'appartient et je suis la seule à savoir m'en servir. Les pyjamasques, faites quelque chose! Le pouvoir du cristal est trop fort! Débarrassez des pyjamasques, débarrassez de Roméo, débarras... Hein? Pyjarobot? Tu n'as pas été assez rapide cette fois, Pyjaminus. Mon nouveau laser aspirateur est très au point pour une première. Hein? Rira bien qui rira le dernier. Yo-yo, rapido! Je te tiens. Ah oui, tu crois ça? Cette fois-ci, je... Essaie encore. Pourquoi ça marche pas? Yo-yo, hein? Est-ce que tout va bien? Ça va. Allez à sa poursuite, tous les deux. Je vous rejoins. Glu-glu, main collante. Bon, je réessaye. Yo-yo, rapido! Non! Où sont mes pouvoirs? Yo-yo, acrobasso! Oups! Glu-glu, méga mus! Glu-glu! Je te tiens! Merci, Yo-Yo. Tu arrives juste à temps. Oui, heureusement que tu es rapide, parce que sans toi, c'était fini. Les copains, j'ai comme un petit problème. Je crois que Roméo m'a volé mes super pouvoirs. Quoi? Comment ça? J'ai tout perdu. Ma vitesse, mes acrobassos, mon yo-yo ligoto. J'ai plus rien du tout. Oh, je suis plus un héros, juste un enfant avec un déguisement. Mille reptiles? Alors c'est à ça que sert le nouveau laser aspireur de Roméo? Ne t'en fais pas.
On va trouver un moyen de récupérer tes pouvoirs. Je l'espère, Bibou. J'aimerais tellement vous aider. Oreille de chat, quelqu'un est bien en train de creuser en bas. Robot doit trouver Cristal de Lune pour mon maître. Ah! Je me demandais si les Pyjaminus allaient pointer le bout de leur nez. Roméo? C'est toi qu'on a vu voler jusqu'à la Lune? Oui, j'ai simplement rajouté quelques fusées à propulsion à mon labo et hop, me voilà, sur la Lune. Il ne me reste plus qu'à trouver un cristal. Grâce à ça, je pourrai rendre mes gadgets surpuissants et devenir le maître du monde. Bonne idée, maître. Mais tu vas détruire la Lune, Roméo. Ma Lune adorée que j'aime tellement. T'inquiète, je suis sûre que Robo ne va pas tarder à trouver un cristal de lune et ensuite, il arrêtera de creuser. Mais pour le moment, on continue. Hein? Ah! Puis Robo dit que la lune se casse de plus en plus. Je peux la réparer. Donnez-moi simplement mon cristal avant qu'il ne soit trop tard. Écoutez-moi. Sauf que, la dernière fois que tu l'as eu, tu nous as enfermés dans des prisons de cristal. C'était pas pareil. Tu trouves? Moi, je n'y crois pas du tout. Moi? Glu-glu, essaie d'empêcher la cassure de s'agrandir. Bibou, empêche Robo de creuser. Je me charge de Roméo. Ça suffit maintenant. Un ou deux? Oui, c'est ce qu'on va voir. Wow! Oh! Mes pouvoirs s'affaiblissent. J'ai besoin du cristal. Un chat retombe toujours sur ses pattes, Roméo. Oh non! Terminé, robot, c'est confisqué. Ma belle. Oh, comment je vais faire maintenant? Je me trompe? Où se sont les pigeons casse-pieds en personne? Roméo, qu'est-ce que tu fabriques? Comme d'habitude, je prépare un plan machiavélique. À ta place, je ferai attention, parce qu'on a de nouveaux gadgets, comme des rayures brillantes, des plumes colorées et des écailles gluantes. J'allais dire de nouveaux pouvoirs. Comment ça se fait que tu sois déjà au courant? On s'en est pas servi contre toi. Enfin, pas encore. Nous, les méchants, nous avons nos propres systèmes de renseignement. Robot, attrape-les! Par lequel dois-je commencer, maître? Oh, je ne sais vraiment pas qui choisir. J'ai envie de voir tous leurs nouveaux pouvoirs en action. À l'attaque! Prends garde aux griffes de robot. Non, toi, prends garde. Qu'est-ce que tu en dis, Roméo? T'as encore rien vu? Moi, je vais lui donner le tournis. Arrête, ça fait des guillis. À l'aide! Et pour finir, je te présente mon bouclier écaille. Oh, à l'aide. La prochaine fois, vous ne m'échapperez pas, les pyjamasques. Oh, attendez-moi, maître. Et tout ça, grâce à mon super yo-yo ligoto. Non, plutôt mes mille plumes. Mais non, ce sont mes boucliers écailles qui l'ont fait fuir. Et d'ailleurs, allons voir s'il n'y a pas d'autres méchants. Bobo, maître, avez-vous vu ce que font leurs nouveaux pouvoirs? Je n'ai pas perdu une miette de ce spectacle fascinant. Je peux passer à la suite de mon plan maintenant. Pardon. Ce sera vraiment la plus puissante de vos inventions, maître? Absolument, mon ami métallique. Et elle sera pour toi tout seul. Oh, chouette. Encore Roméo? Qu'est-ce qu'il manigance? Ha! Les pyjamasques! Vous arrivez juste au bon moment. Préparez-vous à perdre. Moi, je me prépare à régner sur le monde. Je vais l'appeler le ninja redoutable. Oh. Arrête ton blabla, t'es pas ici pour faire joujou. Tu ferais mieux de mettre ton plan à exécution. Ah oui, mon plan. C'est parti. Iseo Ninja Musayo! À l'abordage des chars de carnaval. Vite, éloignons les chars avant que Roméo ne les contrôle. Oh.
Garez-vous en cercle. Cette fois, on va faire bloc et se défendre tous ensemble. La machine à te contrôler. Glu-glu, non! Je savais bien qu'il choisirait de protéger son char plutôt que toi. Bombardez-le d'étoiles collantes! Le dernier Zoé Zap est sorti. Tu veux une leçon de vol, Roméo? Non, je veux tendre un piège à tes pyjamarades. Je compte devenir la nouvelle Bibou, mais en mieux. Enfin, je veux dire. Très convaincant, maître. Ça suffira pour que les deux autres se fassent avoir. Et ils m'aideront à réaliser mon plan diabolique sans même s'en rendre compte. Jamais ils ne te prendront pour moi. Ah oui? C'est ce qu'on va voir. Et tu vas pouvoir regarder tes pyjamarades accomplir mon plan diabolique. Bon spectacle. Salut les pyjacopins. Bibou? Ben oui. Pendant que vous étiez en train de démaquiller le robot, j'ai réfléchi à un plan pour nous venger de tous les méchants qui agissent la nuit dans notre ville. Je croyais que ce n'était pas le genre de choses que Zoé Zap faisait. Justement, figurez-vous, j'ai aussi décidé d'arrêter de faire tout comme Zoé Zap. Les copains, c'est l'heure de faire un vrai travail de héros. Comment ça? Je vais vous montrer. Tous au hibou volant. Comment ils peuvent tomber dans le panneau? Utilise ta hibou vision. Ah oui, c'est vrai. Chouette au vision. T'as une voix bizarre ce soir, non? Oui, c'est la voix que je prends pour faire parler les bavards. Regardez, là. Quoi? Ah oui, je vous présente la plus géniale de toutes mes inventions, l'animo métamorphoso. Il me permet de transformer n'importe qui en n'importe quel animal. Moi. D'accord, mais pourquoi faire? Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un zoo à moi. Et robot, d'avoir un petit compagnon. Alors j'ai décidé de transformer tous les habitants de la ville en animaux. Hein? Oh, merci. Et quand ce sera fait, je serai le maître du monde. Ça n'arrivera jamais. Ah non, tu veux une preuve? Maître, j'aime Yo-Yo le chat. Je peux le garder. Je peux, s'il vous plaît. Bon, c'est d'accord. Mais à une seule condition, c'est que tu t'en occupes. Tu devras le nourrir, changer sa litière. Je le ferai, maître, promis, juré. Roméo, fais-moi redevenir comme avant. Alors que je viens de te donner un robot. Voyons, tu rêves. Et je n'ai pas que ça à faire. Je dois récupérer un lézard et un hibou pour mon zoo. Par ici, cuisse de grenouille. Allez, viens. Je vais délivrer Yo-Yo. C'est trop dangereux. Si Roméo te change en lézard, je me retrouverai toute seule. Il faut trouver une ruse. Ah, le meilleur ami du robot. Mauvaise idée, robot.
Même sans mes super pouvoirs, je reste assez rapide pour m'échapper. À plus. Oh non. Ah, il se fabrique d'autres bras avec ce qu'il vole. C'est vrai que comme ça, il ressemble à une pieuvre. Je ne sais pas ce que tu mijotes, Roméo, mais ton plomb, je vais le faire tomber à l'eau. Tu m'attraperas pas, et mon poulpe robot non plus. Hein? Non, dans les arts, il fait tout noir. Hein? On a trop peur, puce de grenouille. Bizarre pour un tétard d'avoir peur des profondeurs. Oh. Les suivre à l'intérieur? Oui, je suppose qu'il le faut. Surtout que là-haut, Bibou et Yo-Yo comptent sur moi. Oh. Je vois rien du tout. Bonne idée, merci. Mais tu vois, il faudrait que mes phares éclairent encore plus. On remonte à la surface pour améliorer la reptile mobile. Je pensais pas que tu remonterais si vite. Y a un souci? Non, pas du tout. Le souverain des eaux a assuré. Chut, Pigeon Robot, je veux juste des phares plus puissants. Tu te souviens? Mais oui, ce serait dommage que tu ne vois rien quand mon poulpe robot m'aidera à devenir le maître du monde. Voilà, c'est aussi pour ça que je suis remontée. Pour vous dire que Robot attrape tout ce qui est en métal pour le transformer en... en tentacule. Exact. D'ailleurs, maintenant, il s'appelle Poulpe Robot. Bientôt, ces tentacules envahiront la planète et attraperont tous ceux qui me résistent. Tous ceux qui n'obéiront pas à mes ordres. Et ensuite? Ensuite, s'ils ne veulent pas m'écouter, je ne les relâcherai jamais de la vie. Comment oses-tu m'interrompre quand je fais mon rire de méchant? Oh oui, merci, robot. Et ensuite, je deviendrai le maître du monde. Il n'y aura plus de pyjamas. T'inquiète, je le laisserai pas faire. Et comment tu vas pouvoir m'en empêcher si je vous renvoie dans le passé? Au revoir, Pyjaminus. Bonjour la chatastrophe. Venez, on repart tout de suite à l'attaque. Ah ah, pas sans un plan, c'est comme ça qu'on s'est fait avoir. Pourquoi tu t'es précipité? C'est vrai, on n'avait rien préparé. Tu as foncé tête baissée et on s'est retrouvé au point de départ. Il faut qu'on reste soudés. Roméo allait s'en prendre au petit chat, il fallait bien que j'intervienne. Allez, venez. Reste où tu es, Roméo. Vous en voulez encore? Robot, débarrasse-moi des pyjaminus. C'est dégoûtant. Mes amis ne sont pas des déchets. Non, Yo-Yo, reviens. Qu'est-ce que tu fais? Yo-Yo, Ramido. Hein? Tu vas marcher, espèce de tas de ferraille. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est pas ce que j'ai voulu dire quand j'ai parlé de rester soudés. Vous allez repartir aussi vite que vous êtes venus, Pyjaminus. Encore quelques petits réglages et mon rembobinateur sera au point. Alors adieu les pyjamasques. On fait une dernière tentative, d'accord les amis? Cette fois ce sera la bonne. Non, ça ne sert à rien de se précipiter. Il faut réfléchir à un plan pour vaincre Roméo. Bibou a raison. C'est la première fois qu'on a affaire à un rembobino machin chose. On n'a pas le temps. S'il répare son appareil, on aura de gros ennuis. En route. C'est pas un boulet de démolition qui va nous faire peur. Bibou, ralentis le boulet avec tes pouvoirs. C'est comme si c'était fait. Glu-glu, attends mon signal. Bibou Tornado. Pas très efficace, je vais recommencer. Bibou Tornado. Les copains, vous pouvez me donner un coup de main? Bibou Tornado, c'est Bibou Gros Zéro plutôt. Oh, vous me faites bien rire. Vous vous êtes surpassé, maître. Je te le fais pas dire. Cette fois, les pyjaminus n'arriveront pas à se mettre en travers de mon chemin.
Ben voyons, c'est ce que tu crois? Yo-yo rapido! Yo-yo! Glu-glu déplace la statue! Glu-glu méga muscle! Tu vois, Roméo, les pyjamasques sont imbattables! Pas si vite! Roméo n'a pas encore dit son dernier mot! Hein? Ne vous en faites pas, on l'a déjà neutralisé une fois, alors pourquoi pas deux? On va gérer. Ah! N'en suis pas aussi sûre! J'ai l'honneur de vous présenter Boule de Flipper numéro 2! Pas de panique, on va assurer. On devrait faire deux équipes. Je parie que je suis capable de l'arrêter avec mes glu-glu méga muscles. Ok, et nous on s'occupe de l'autre boulet. Bibou, tu me donnes un coup d'aile? Sans problème. Quoi? Maintenant dépose-moi pile poil sur le boulet. Doucement. Pour une fois, un mini robot tout câlin. Oh oui, il est vraiment trop mignon. Mais pourquoi Roméo aurait-il inventé un gentil robot? Ça cache quelque chose. Tu t'inquiètes pour rien. Écoute, il fait des bruits trop rigolos. C'est ça que tu trouves rigolo? Non, oh. Pas maintenant, je vous l'ai dit 100 fois. Attendez, j'entends quelque chose. Oreille de chat. On doit d'abord attendre qu'il ramène le mini-robot à leur QG. C'est à ce moment-là que j'utiliserai ma télécommande pour lui faire faire ce que je veux. C'est un piège. Roméo attend qu'on le ramène à notre QG pour le commander de loin. Et qu'il se retourne contre nous. Regardez. Hein? Attention, maître. Ah! Au secours. Je suis trop bête. Tu as tout gâché, ta ferraille. Récupère le mini-robot tout de suite. Mais ils s'amusaient bien avec nous. Oui, j'ai vu ça. Si on les laisse, les robots n'en font qu'à leur tête. C'est pour ça que celui-ci peut être contrôlé par une télécommande. Il fait tout ce que je lui ordonne. Assis, debout, saute. Saute, saute, saute. Oh, pauvre petit bonhomme. J'ai enfin un robot que je peux contrôler. Pas comme cette vieille boîte de conserve. Pardon, maître. Bonjour, je suis Robette. Je ne peux pas te faire confiance à toi. Alerte, attaque, alerte, attaque. Défense activée, alerte, attaque. Quoi? On dirait un monstre. Un monstre à écailles. On dirait... Lionel? Oh, c'est rien, c'est juste mon petit bouchon. Petit? J'ai remplacé Lionel par un lionélosaure. Robot! Je l'ai transformé avec mes friandises Maxi Gloops. Vous les reconnaissez? Parce que vous lui en avez donné tout à l'heure. Transformer des récompenses pour animaux? Tu devrais avoir honte! Pas touche! Il m'a fallu 365 nuits rien que pour fabriquer une seule boîte. Robot! Oh! J'ai mis tout mon génie pour rendre ces friandises succulentes. Sauf qu'il y a de petits effets secondaires, ou plutôt des effets géantissimes. Oh! Qu'est-ce que tu as derrière la tête, Roméo? Je vais donner des Maxi Gloops, j'ai inventé le nom, à tous les animaux de la ville. Comme ça, j'aurai mon propre régiment de géants pour conquérir le monde. On ne te laissera pas faire. Vous dites toujours la même chose. Regardez un peu. À
Lionelosaure. Maître, votre labo. Oh, pourvu que je ne les ai pas oubliés dans le labo. Ah, les voilà, mini gloops. Oh, dans mes bras, mon Lionel chéri. Cours toujours, tête de tétard. Ah, bienvenue, jolie petite peluche. Regardez un peu ce que je vous réserve. Mon incroyable machine a transformé les doudous. Je suis le plus génial de tous. Maître. Coucou, copain, c'est moi ton doudou. Inverse le processus. Hein? On va oublier tout ça, d'accord? Alors, où j'en étais déjà? Ah oui. Je suis le plus génial de tous. Alors c'est pour ça qu'il vole les doudous de tout le monde, pour faire des poupées à son effigie. Non. Y a un problème, Yo-Yo? Non, non. On devrait se cacher derrière le labo de Roméo pour le surprendre. Bonne idée. On ne va pas le laisser faire. En avant. C'est quoi ce bruit? Non! Hein? Revoilà les pijanouilles. Je te tiens. Non, pas Monsieur Miaou. Hein? J'imagine qu'il s'appelle comme ça, mais au fond, je n'en sais rien parce que c'est pas mon doudou à moi. Oh, puisque ce n'est pas le tien, ça t'est égal que je le passe à la machine, du coup? Ah! Non! Ah, Roméo, forcément c'est sa faute. Alerte aux intrus, robot neutralisé. Non, je vais plutôt leur faire voir mon plan le plus génial. Wow, qu'est-ce que c'est que ce bidule? Je vous présente ma dernière invention, le rayon bébéficateur. Alors c'est à cause de ça que les gens se prennent pour des bébés? Tu as tout compris. Je vais l'utiliser sur tout le monde et je les ferai jouer à Jacadi. Comme ça, tous les petits m'obéiront au doigt et à l'œil. Je vous tiens, maître. Ça va, je suis assez grand. On ne va pas te laisser faire, Roméo. Ah bon? Eh bien, essayez toujours de m'arrêter, les pyjaminus. Robo, empêche-les de s'enfuir. À vos ordres. Et une de plus. Comme il est mimi le bébé Zozio. Oh non, Bibou, est-ce que ça va? Oui, Bibou gros popo. Ne restons pas là. Sa sœur à toi le prochain pyjamini qui va devenir petit. Je rêve où tu viens de nous traiter de mini. Ça se passera pas comme ça. Yo-Yo, rapido. Oups. Miaou. Chaton. Par mes écailles. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, Roméo. Mais c'est déjà moi qui tire les ficelles. Regarde un peu ce que je fais. Tu vas voir. Et les enfants, vous avez envie de jouer? Oui. Super. Le jeu s'appelle Roméo a dit. Roméo a dit, attrapez-moi ce lézard gluant. Tout de suite. Arrêtez les copains, ce n'est pas le moment de rigoler. On joue, on joue. Alors, jouons à cache-cache. Glu-glu reptilo camouflage.